Mbote bandeko, mbote bandeko na kati ya Congo Kinshasa, na kati ya Paris, na Belgique, na États-Unis, na Royaume-Uni, na Canada, bipa nyonso bandeko bazwami. Lelo tokosala analyse moko eza un peu objective sur l'état de la nation quoi. Donc tokosala analyse sur la situation politique actuelle il y a RDC, donc on met kako lobela pe kokundola, donc on a vu bien tout ça l'analyse, ils ont critique te, ils ont pe clivage politique te, mais ils ont juste bah analyse, analyse on a vu surtout lobela entre autres dossier Union Sacrée, Union Sacrée où ils ont été initiés par Mokonzi ya Mboka, Félix Tshisekedi, oyo après ko tambola deux ans à ça là il va analyse va introspection peu introspection à mon yé tembo qui s'est content pour la bien-être moka isa ya kukufa donc à reconnaître devant le peuple et puis devant public bilan a eu à deux ans ils allaient mitiger la faute ya bilan ana a pesi en haut pas banni na ya FCC ou basangana qui na ya na koyoka koloba na ya lobby ke bango nde bazali ko bloquer ye alors azoki likonisa ko sala union sacrée mais bande ko ngai to komeka ko sala analyse si union sacrée wana soki to bito tala malamu penza union sacrée nenge l'opposant Martin Fayulu outi koloba dernièrement n'est rien d'autre que une version un peu améliorée, si on peut le dire, topé ça une autre facette, il y a accord FCC cash. Donc ça une autre version et accord FCC cash, mais en gros to bengi union sacrée parce que autant la composition il y a union sacrée wana, tout ça comme on a en dehors il y a Jean-Pierre Bemba ou bah union so bah ebi cannibale. Mon bomi pe molei batu mo tuti batu violeur de femmes tout ça à tout abat na maboka to ebi en dehors na yé na Moïse Katumbi o ya partagé le bilan mitigé à Joseph Kabila pouvoir na yenyoso tout ça na batu lokwa bati lokwebu o ba partagé le même bilan na Kabila tout ça na batu lokola ba ba plus moi bilou o bazaki na Kabila ba accompagné na moment nyoso ya détruit mboka donc on cité que cela doit ba dogo ba 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 mokia ba aventurier le quoi ba mokia ba aventurier le quoi ba Franck Diongo ba aventurier le quoi ba Diomi Ndongala o Musa na bango eza kolandaka bana basi ya bato amike donc tout le monde ki nyoso sacré wana to ko bengango justement un conglomérat des aventuriers. Oui, salami na likanisi ya konuye lisus population. So ki to lobito kende, mwa musika penza kota la climat politique actuel na mboka na biso. Lobi, so ki otali na numéro ya actualité CD, oui le kaki lobi, notamment la page actualité CD, les troupes onisiennes bazo signale na gouvernement congolais ke y a la présence des forces de défense rwandaises na kati ya sol congolais. Et puis force one is a force tek ba rebelle so bene mais la force de défense rwandaise c'est-à-dire force armée rwandaise nde koti na kata mabele na biso a signalé gouvernement na biso jusque là silence radio même de la part ya président de la République même de la part ya bato bazo gouverner na ye ensemble donc c'est pour dire que notre pays est occupé. Deuxièmement toujours comme on a coalition au bas au sala topi wa bengi union sacrée au toko ko benga coalition ya miyibi en quelque sorte parce que comment la coalition wana bato baza ko composer yango ce sont des gens qui sont venus juste pour na ko meka ko ko bénéficier topi ko lia oyo population singela ki alia et puis pour coalition wana ko aboutir na elo kote pe okene musika te parce que comme on a déjà makamunenge zoko kende to komona ke okende malamu te parce que
le premier ministre qui est en place jusque-là, Eza Ilunkamba, ou Azali Moto FCC. Or, tout le monde a nommé Bahati Lukwebo informateur. Moto a partagé bilan mitigé à Kabila pendant tous les 18 ans. Azali ministre à plan, ministre économie, Moutabomi, économie en Boka, ou Yewana Bahati, a ketonga ba immeuble na ville, loko et loko moussous na Gombe. Deba outi konome informateur. Or, informateur, selon Mobeko, ba nomaka e kaka mbala moko, sa di, lor ya entre ya mandat ba depite, deba nomaka informateur, pwa de sele majorité, et puis majorité wana, ba goza notifié ya parti ya parlement ke majorité sa nangambu gauche tope na droite, ya parti ya majorité wana, deba ko bimisa, premier ministre. Tomona ki deja Moussa wana, jama kabunda sala ki ango, a komi lettre, oye ya notifié ki na FCC, pou na koebi sa ba mwa gete, majorité sa nangambu ya FCC. Majorité en gambo FCC et puis tout mon agi ndeko Félix Tshilombo kozwa mukanda oyo akonomé ndeko Ilunkamba lokola premier ministre ici à FCC contenir ba accord na bango ba chineki mais le lot tout monde le même ndeko a changé a comme konomé li susu bati informateur oyo ezana en violation à constitution après avoir konomé bati informateur et ko lukaba nommé premier ministre. Or, processus moko ya nomination ya premier ministre sala magate, so ki le premier ministre wa zaki en place a démissionné na noté. Le mona ki ango même na Tshibala awa ndenge ba pousa ki Tshibala démissionné po ba nommer premier ministre. Mais go dès lors que Ilunkamba boy ko démissionné. Donc mboka na biso yo koma na deux premier ministres. Awa siko tuzo ko analyser pour vous signaler retombé ya koza na deux premier ministres wa ne koza la ndenge ni. Primo, Kabila oyo ya kena ofanda na Katanga, eza pamba te, eza paske tango bako nome premier ministre Moussousou. Tanke Ilunkamba a demisyone te, bango bako bimelande sika wana, bako senga na kominote katangez, ba rekonetre gouvernement wana te. Se ki fera en sorte ke, makamounyo so gouvernement central yo banda koloba, na katanga bako respecter yango te ce qui justifie le débit à balkanisation c'est-à-dire l'ikanisio de Kabila ke vande la kuna na est to pe na katanga eza juste pour na accomplissement ya projet ya balkanisation or tango bango bako boya koyoka makambo gouvernement central ekoloba to komona sud Kivu na nord Kivu na Maniema pe côté le mako boya ba injonction oyo ekouta na gouvernement central et après avoir ba province on a ko boya ba injonction wana loko les alikanisi ba rwandais pe projet ba occidentaux ba ko créer république ya Katanga na république du volcan oyo za na Kivu plan na bango eza bongo et puis à part wana to komona ba insurrection ko salama e belen na kati ya mboka. Donc c'est pour dire que le projet oyo ndeko tseke de azanango ya kosala union sacrée na baninga na e eza projet moko juste pour nako accomplir volonté ya ba occidentaux ya ko balkaniser mboka na biso stadi ya kokabola mboka et puis kosuka wana te même na kati ya union sacrée e kosala na ba problème parce que kota la constitution ya union sacrée za constituer na ba bato ebele. Or, ye ndeko Félix Tshilombo ou tiko sa biso promesse mususo parce que sa li ba promesse ebele a promettre à réduire taille ya gouvernement